sur le dos, c'est fini. Comment ça se passe ici? J'étais en train d'écrire un scénario pour Charles Gassot. En fait, il m'avait commandé un scénario qui n'était pas La Chambre des Morts. Et donc, je suis allé le voir en lui disant « Tenez, Charles, lisez, c'est épatant. » Il m'a demandé de lui raconter. Et puis voilà, et 5 minutes après, il m'a dit « Vous allez le faire. » Ça s'est fait comme ça, en fait. C'est sûr qu'on était confiants aussi parce que le scénario était très excitant et formidable. Donc, Ni empreinte, ni ADN. On a affaire à un méticuleux. Ce type est un malade. Un fou furieux. Comment j'ai fait? J'ai supprimé du livre toute la psychologie, c'est-à-dire, quand je dis psychologie, c'est-à-dire toute l'introspection des personnages. Et là, c'est incroyable parce que vous vous rendez compte que vous passez de 400 pages à 40. Hein, c'est assez radical. Et du coup, quand vous relisez cette espèce de résumé que vous avez fabriqué, comme ça, en respectant absolument le livre, vous apercevez qu'il y a des vides narratifs terribles, quoi. C'est-à-dire que les artifices littéraires permettent des choses que le cinéma n'autorise pas. Et c'est là que le vrai travail commence. C'est-à-dire qu'il faut, inventer, il faut amener des personnages, parfois. On a tout de même deux gamines qui disparaissent à quelques jours d'intervalle. Des poils ont été retrouvés sur ses vêtements. Des poils de loup. Les analyses n'ont rien donné. On n'est pas en studio, donc on est dans des petits décors assez exigus, très naturels, en caméra à l'épaule. On passe des heures et des heures dans les mêmes décors à dire le même texte. À un moment donné, ça rend fou. Et donc, obligatoirement, on se marre parce que c'est un exutoire et parce qu'on en a besoin. Après, moi, je suis tombée sur un partenaire de jeu, Eric Caravaca, qui est quand même très, très drôle de toute façon. Donc, on s'est bien trouvé à ce niveau-là. Mélodie Cunard, 12 ans. Tellement terminé. Alors, est-ce que vous pouvez maintenant me donner les 5 règles d'or pour éviter de se faire tuer par un serial killer, s'il vous plaît? 5? 5. C'est beaucoup, 5. Ou alors 3? Ouais. 2? J'ai négocié 2, c'est bien. ne pas s'en approcher, et puis quand à un moment donné on trouve sa maison, partir en courant, ce que ne fait absolument pas Lucie. Là, pour le coup, dans la composition. Moi, je serais partie très vite.